On se retrouve pour un épisode sur Pokémon Révolution Online, l'épisode 2. Alors, on était arrêté donc pas trop loin en fait dans l'aventure où nous avons juste un premier Pokémon qui était Salamèche. Alors là, vous pouvez voir que j'en ai un deuxième. Oui, car hors caméra, j'ai attrapé un petit Roukoul qui était niveau 2. Bon, actuellement, il est niveau 4. Salamèche est au niveau 8. J'essaie, bon, vite et rapidement de lui faire gagner un peu d'XP. Je trouve que l'XP est quand même plus long à être gagné dans cette version Pokémon. Mais bon, à part ça, c'est pas bien grave, hein, y a pas de problème pour ça. Hors caméra, j'ai réalisé aussi inconsciemment, je pense, une petite quête, bon, très très courte, juste pour voir en fait comment se déroulait le jeu du coup. Je voulais voir comment ça se faisait hors caméra. Et j'avais zappé que ça s'enregistrait automatiquement. Je suis un peu bête des fois. Ça m'arrive. Du coup, pour vous raconter rapidement ce que j'ai fait, je suis juste allé au centre Pokémon ici. Je suis allé dans le shop. En fait, ici, c'est là où on achète toutes les Pokéballs et tout le bordel. Voilà. Et dans cette maison. Dans cette maison, en fait, rapidement, on peut y rentrer rapidement. C'est une école d'entraînement, en fait, pour jeunes dresseurs. Et donc dans cette école, on y trouve Jackson. Rappelez-vous de Jackson dans le premier épisode. Celui-ci nous demande, enfin nous combat, je crois, enfin un truc dans ce genre-là et tout, tac. Bon, j'ai perdu, j'ai pris ma fessée tout simplement parce que j'étais pas bon et j'avais pas mes deux Pokémon à l'époque. Du coup, bref, je suis sorti de cette maison et là, on m'interpelle, une femme m'interpelle, me demande d'aller voir sa mère et tout pour dire qu'il a pas été inscrit ou il a pas signé quelque chose. Donc je suis retourné au village du début. Et je suis allé voir sa mère, donc il y a trois maisons au village du début, vous allez voir, c'est pas difficile. Il y a la mère de Jackson et tout, on lui dit, et puis hop, elle part aller chercher Jackson, voilà. C'est tout ce que j'ai fait, après je suis remonté, j'ai attrapé un Roukoul, j'ai fait vie rapidement évoluer mon Roukoul et mon Salamèche. Donc maintenant, je suis rendu ici, j'ai acheté déjà des Pokéballs hors caméra et potions, et je vais essayer de retourner l'affronter peut-être. Je vais voir, peut-être qu'il y a sa mère qui est arrivée, du coup, parce que je ne connais pas la suite de l'histoire. D'ailleurs, je vais faire passer Salamèche en premier, sait-on jamais. Merci. Allez, c'est parti. Là, voilà, il y a la mère de Jackson qui est allée le voir, du coup, je l'avais pas vu. But, mom. Alors, c'est Jackson qui parle. But, mais maman. Il parle d'apprendre pour être le meilleur. Ok, on s'en fout. La mère de Jackson. Pas quand tu me mens. Putain, je sais plus parler. Oula. J'ai déjà un principal de rejet. Ok. Ok. Si vous voulez les traductions, allez taper sur Google. Parce que moi, ça, j'essaie de comprendre à moitié. Mais je pourrais pas très bien vous le traduire. On parlera encore à la maison. Okay. Très bien. J'ai mon petit café à la portée de main. Eh ben, on nous parle ou on nous parle pas? On parle pas, ok. On va voir Jackson. You You just can't deal with a defeat. Tu ne peux pas... deal, c'est distribué normalement, mais tu ne peux pas with avec une défaite. Just how can you go so long go after me. Ok. Il est malade de ça. D'accord. You still want this spot. Too bad. I heard already gave it kid so it's useless. Ok. Ce n'est pas la dernière fois que tu m'entends. Que tu m'entendras. Il est parti. Tu peux lui donner une explication. Hein? Is cool anymore since the spots were occupied. Ok, bon, mais ça c'est fait. Super intéressant. On continue l'aventure du coup. Petite lampée de café. C'est quoi ces papiers? Ok, c'est rien. Bon, on s'en va. Rien de bien important. Du coup, on va aller. Il y en a qui ont des beaux Pokémon. Hein. On va aller dans les maisons. Hein. On va les visiter vite fait. Ensemble. Alors. Mon père aime aussi les Pokémon. Cool. Il vient avec des surnoms, c'est fun. Mais ce n'est pas facile aussi. Cleaver names are nice.
Mes simple names are easier to remember. Ok, on s'en fout. C'est les surnoms, je pense, pour les Pokémon. Jamais réellement donné de surnom à mes Pokémon. Je ne sais trop pourquoi, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui m'intéressait bien... Enfin, spécialement, on va dire. This gym is always closed. Est toujours fermé, d'accord. I wonder who the leader is. Yes. Non, je sais pas qui c'est le leader. Gym, je sais pas ce que c'est. Arène, en fait, gym. Ça doit être ça. L'arène, je me sens pas prêt, je pense, pour faire l'arène. Écoutez, là, on a à peu près tout fait par là. Ok, on trace. On trace tranquillement. On va aller à gauche. Voir ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a une route. Alors attendez, ici il y a un escalier, j'ai vu qu'il y avait une Pokéball. Ah, il faut couper, on peut pas y aller, c'est bien dommage. Ok, je pense que là c'est une route pour aller ailleurs. Je vais aller voir en haut vite fait. Ouh, une Pokéball, très intéressant ça. On a trouvé une Pokéball, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Tac, 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 tac. On peut pas y aller dans la forêt là, il y a les cheminements et tout. On va aller voir en haut, il y a peut-être d'autres maisons. Non, d'accord, c'est un autre chemin. Très bien. On va aller parler à la vieille, là. Allez, go shopping. Ok. Ok, on s'en fout. C'est vrai qu'il faut peut-être parler à tout le monde. Cette maison, je l'ai pas faite. Voilà. Bonjour, monsieur. Hey, kid. Je me souviens t'avoir vu, toi et ta mère, quand tu étais juste un bébé. She doing well. Est-ce qu'elle va bien, je pense? Ouais, ça va. C'est ma moum, quoi. Tranquillement, on va dire. Salut, copain. Too bad, I don't have any... Il a pas de Pokémon avec lui. Quelle tristesse, en gros. Tristesse! Pourquoi je n'ai pas de Pokémon avec moi? On va aller voir le petit bonhomme en vert, là-bas, le lutin. Hop, viens là, mon gars. It's great. Ok, j'ai des Pokémon avec moi. Yes, c'est grand, c'est super. Tu peux carry and use Pokémon in time. Je peux carry. Je sais plus ce que ça veut dire carry déjà. Carry, appareil carry pour les dentistes. Je ne sais plus. On va tracer par là tranquillement, du coup. L'arène. Je me sens pas de faire l'arène. Enfin, je pense que je vais me faire exploser la gueule en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Vite fait. Hein. Hop. Ok, il y a peut-être des Pokémon sympathiques à attraper. Je vais aller voir ce qu'il y a dans les hautes herbes. En tout cas, il y a beaucoup de gens. C'est parti. Un Doduo. Doduo, il y a Pic-Pic qui est pas mal, qui est assez puissant. Enfin, puissant. Ouh, niveau 6 déjà. Petite lampée de café. On va essayer de le fight. Un petit coup de flamèche. Ça voulait cramer les ailes. Vous allez me dire Doduo, il n'a pas beaucoup d'ailes. Il fait mal, vous avez vu tout ce qu'il m'a fait là, l'attaque, salaud. Allez, refais lui un coup de flamèche. Merde. Putain, mais il attaque en premier quand même, il fait vive attaque aussi. Saloperie quand même. Ok, bon, on l'a tué. 282 d'XP, ça c'est cool par contre. Cependant, on a pris une fessée. On a pris vraiment cher. J'ai combien de potions? J'en ai 10. J'en ai utilisé une. Hop. Je vais mettre Roucoule en premier, histoire de le faire évoluer un peu. Un Nidoran. Bien, c'est un mal. Je pense que je vais prendre une fessée. Je vais essayer de le tacler un peu, de lui mettre des coups de charge. Ouh, pas mal quand même. Bien, mon gars. Joli. Je passe au niveau 5, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, on gagne des Poké Dollars quand on bat des Pokémon, ça c'est nouveau. En tout cas, dans les Pokémon que j'ai connus, on ne gagne pas de Poké Dollars quand on tue un Pokémon, hein, pauvre. Oh, parfait ça. On a Vive Attaque, Sand Attaque. Ah non, c'est pas Vive Attaque, c'est Jet de Sable. C'est Jet de Sable. Excusez-moi, putain, je confonds. On a Jet de Sable. Ça peut être pas mal, cependant, on va faire un coup de tac quand même. On lui a fait un coup de jet de sable, mais il rate aucune attaque, hein, le salaud. Il faudrait le faire plusieurs fois.
Il peut me battre là, il peut me battre. Ah, il m'a fait un coup critique. Si j'attaque en premier, c'est bon pour moi. Parfait. Voilà, on l'a battu. On reste au niveau 5, mais c'est pas mal. On va faire évoluer un peu Salamèche au niveau 9, ce serait cool. En fait, je voulais voir à l'origine ce qu'il y avait comme Pokémon ici, mais il n'y a pas grand chose. Ah, Ferro-Singe. Ça peut être pas mal à Ferro-Singe. On va lui mettre un petit coup de Flamèche. On va essayer de l'attraper quand même. On lui a fait mal là. On lui a fait mal. On va lui juste mettre un petit coup de Scratch pour essayer de pas le tuer. Bon, bah, on a fait un coup critique. C'est pas de bol. On l'a tué. On n'est pas loin du niveau 9 avec Salamèche. Donc on va essayer d'aller au niveau 9. Et puis après, je vais aller au centre Pokémon du coup pour soigner les Pokémon. Puis je vais essayer d'aller voir dans l'arène. Hein. On va essayer d'aller voir à l'arène. Un piaf avec. Allez, attaque Flamèche. Ouais, en deux coups, je pense qu'on peut l'avoir. Parfait. On est passé au niveau 9. Ça, ça fait plaisir. Voilà, nickel. Du coup, on va aller au centre Pokémon rapidement. Je suis où ? Ah putain, mais je croyais que j'allais sortir du bas, là. Ouh là là. Ouh là là. Alors, c'est parti. Il fait night. Il fait nuit. T'as vivement qu'on ait de quoi bicyclette. Mais il me semblait qu'on pouvait avoir une bicyclette pas loin, peut-être, non ? Peut-être pas, remarque, hein. Youngster Tirulupio, là, je pense qu'il est intéressant à parler, lui, peut-être. Il y a des gens que j'ai pas parlé ici, il faudrait que je leur parle. Yes, merci. Ok, lui, je l'ai pas parlé, en fait. Tous ceux qui sont jeunes, c'est des gens, c'est des mecs du jeu. The ever-evolving advancement of technologies incontainable. Ok, chef. Une licence de Pokémon des limites, si tu gagnes 6 Pokémon on un sim. Ok, d'accord. However, Pokémon a ok. Ok, on lui dit qu'on peut les ranger dans les. On peut aller ranger nos Pokémon dans le stockage PC et tout, je sais pas trop quoi, bref. Margaret. I'm sorry if my husband has come across as brush to you. Je suis désolé si mon mari. Ok, he became the Grouchy whenever Pokémon trainers are exposed to him, just go to him public, ok. Elle s'en fout, elle est la vieille. On va aller. Ah oui, c'est George, ok, d'accord, lui on est sans kikiné, je pense. Hug. I tell you. Je te parle, Audacity, tiens, Audacity, j'enregistre avec Audacity aussi. Of you good for nothing, Pokémon trainers. This used to be free, peaceful. Oh, c'est Bob Marley, les gars. They think they can run the street with their Pokémon. I'm telling ya, a dictatorship is on the rise with these kids and their power tips. Trips. George, I know you're following my bad watch. No, go get me chocolate. J'ai pas de chocolate, mon gars, m'en kikine pas, je vais dire mon air de pas, je voulais être poli, mais en fait, non, j'ai craqué. Youngster Stirlupio, you want two types of caterpillar Pokémon? Tu veux connaître ce... bah, vas-y, hein. Caterpie has no poison, but Weedle does, ok. Donc, Caterpie n'a pas de poison, but Weedle, il a. Très bien, copain. Regarde tes Pokémon, ne sont pas stable by Weedle. Ouais, ok, s'ils ont pas un poison, ok, très bien, mais je m'en fous en fait. Bon, on n'a pas de vélo, mais je vais aller voir à l'arène. Ouais, de toute façon, ça enregistre automatiquement. On est des fifous, on est des aventuriers, on va aller voir ce qui se passe à l'arène. Merde, on peut pas passer par là, les salauds. Ah, mais cassez-vous! Ah mais lui du coup, Loubar là. Please, move aside. Bon lui il fait kéké, ok on s'en va. Fais le kéké. Hop. Faire tout le tour. J'ai pas vu ce qu'il y avait là-haut, on ira voir peut-être plus tard si on se fait laminer à l'arène. On va aller voir.
Ah, c'est vide, d'accord. L'arène est vide, montrez bien. Donc il n'y a pas d'arène ici. On va aller voir là-haut ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des hautes herbes avec des Pokémon qui m'intéresseraient. Ouais, on va aller voir ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que depuis le début, on a vu que des Pokémon de première génération, je crois. Ah, on s'est interpellé par le papy. Il n'y a pas de place. Well, no problème. Ici. Ok, il y a une super potion pour moi. Super, ça c'est cool. Bonne chance pour ton trip, kid. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il y a par là, du coup. On va aller voir ce qu'il y a dans ces hautes herbes. Il peut y avoir des Pokémon intéressants. Il y a une haute herbe, à Aspico. D'accord. Le truc, c'est que lui, il est bien pour me faire évoluer, parce qu'un petit coup de flamèche, il va cramer sûrement. Voilà, parfait. Ok. Genre, s'il n'y a pas autre chose, rapidement, un deuxième qui pourrait m'intéresser. Un pigeon sauvage encore. Un roucoule. Non, bah écoutez, on va run. Voilà. On va run. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Moi, je visite un peu, hein. De toute façon, c'est le but. C'est le but de ce Pokémon. Visiter. Surtout quand c'est en anglais, je pense que beaucoup de personnes comme moi. Enfin, comme moi. J'arrive à comprendre vite fait l'anglais. Le parler est plus difficile. Mais. Beaucoup de gens, je pense, vont galérer un peu. Ratata, machin. Ok, on s'en fout. Non, j'en ai pas attrapé le ratata. Es-tu allé dans la Viridian Forest? Non. Enfin, je sais pas, en fait. C'est une maze naturelle. Ok. Attention. Enfin, fais attention à ne pas te perdre. En gros. Ok, c'est une sorte de forêt comme il y a dans tous les débuts de Pokémon. Avec des aspicots, des conneries comme ça. Du coup, il y a peut-être des dresseurs à battre. Genre là-bas, à droite, là. On va aller voir ça de suite. Il y a des baies à prendre. D'abord, je vais aller voir lui, là. Ah non. Bon, on lui va lui parler. J'étais throwing Pokéball. Il a jeté, en gros. Il était en train de jeter une Pokéball pour attraper un Pokémon. Et il s'est barré, en gros, le Pokémon. Pourquoi tu ne peux jamais... Je sais pas trop ce qu'il a dit. Alors, DB. Oh, look, les Paper Tree. Yeah, baby. Ok, j'ai pas envie de la replanter. Oh, look, Pêche à Berry Tree. Yeah. D'ailleurs, en parlant de Berry, enfin, en parlant de B, je vais en donner. Genre B au rang. Ouais, non, mais attends, comment on fait pour les. Attends, j'ai pas envie de les donner comme ça. Tu sais, pour les donner. Oh, je la mets comme ça là. Je sais pas si ça a marché. Est-ce qu'il tient quelque chose? Merde, je l'ai peut-être jeté. Le mec, c'est... Non, mais ça l'a peut-être... C'est quoi, ça? Ça, c'est, je pense, c'est s'il est content ou pas. Ah! Ah! If... Ok, d'accord, c'est bon, il tient quelque chose. Et lui, il tient rien. Ah, c'est cool, ça. Lui, on va lui mettre, du coup, j'ai plus de B pour lui. Ça, c'est pour le poison, je crois. On va lui en donner une. Non. Pas comme ça. Ça va être comme ça. Je pense que ça... Voilà, parfait. Ok, c'est comme ça qu'on met pour donner les baies. C'est parfait. Bon, on va continuer. Par là. Hein. On va aller dans les hautes herbes vite fait, voir s'il n'y a pas... des bons Pokémon. Ok. Spinarak. Ça, c'est la deuxième génération, je crois. On va le fighter. On va lui mettre un petit coup de flamèche, histoire de gagner un peu d'XP. XP, c'est cool. Lui, je pense qu'on va pouvoir le battre, lui. Allez, on se le tente. Voilà. Parfait, en fin du combat, un peu. Hey! J'ai des Pokémon, oui. Bon, oui, j'ai des Pokémon, mec. Come on, let's battle him. Yeah. Il a un Spico, ça va être facile, le Spico. Et même avec Roucoule, logiquement, ça devrait être facile s'il avait des attaques vol, Roucoule. Mais là, je crois qu'il a pas d'attaque vol. Du coup, là, on va lui mettre un petit coup de flamèche rapido. Presto, histoire de le cuire tranquillement et de faire de l'asticot grillé. Il a changé de Pokémon. Ok. Bon, écoute, on va lui remettre un coup de flamèche. Hein. On a gagné que 78 d'XP, c'est peu, je trouve.
C'est peu. C'est peu les XP là. Je vais mettre notre pigeon sauvage en premier, à savoir Roukoul. Je vais passer par la droite. Hein. Là, lui, je pense qu'on peut se le faire. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Il a un Weedle, level 4, un Aspicot. Ou Aspicot, je sais pas comment vous dites. On va lui mettre un petit coup de tackle. Ok, il a attaqué en premier, mais j'ai une BO au rang sur mon petit Roukoul. C'est plutôt sympa. Oh putain, il attaque poison. Je suis empoisonné, je crois, non? Ouais, je suis empoisonné, ok, ça c'est pas cool du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'achever. Et puis après, je vais changer de Pokémon. Voilà, en plus j'ai ma Berry qui... Ma baie qui me soigne un peu, mais par contre j'ai le poison qui me fait mal. Ok, change de Pokémon, change de Pokémon. Ah, il passe au niveau 6, ça fait plaisir. Allez. Come on, PJ, go, Charmander. Ça veut dire, viens, Roukoul. Allez, vas-y, ça la mèche. SDP. Non, SPD, FL. Je sais pas ce que ça veut dire. SPD. Allez, crame-le. Comme ça, tu passes au level 10, mon petit salamèche, et puis on n'en parle plus. Il m'a fait un coup critique, le salaud. Voilà, ça c'est fait. Hop, 80 XP normalement. Je sais pas lui passer. Allez, là, je pense que là, on va faire un peu plus d'XP, logiquement. Un Kakuna, c'est-à-dire un cocon fort. Allez, hop, ciao. Oh, il est pas mort, le salaud. Le coquinou. On va lui mettre un petit coup de scratch pour l'achever. Voilà. Allez, bim, on passe au level 10, mon gars, c'est fini, ciao. Et on voit pas tous les XP, hein, c'est bizarre. I run out of Pokémon. Ok, par contre, cependant, moi, mes Pokémon, j'en ai un qui est empoisonné, donc on va l'utiliser sur Roukoul. Cependant, d'ailleurs, sur Roukoul, on va lui mettre ça. Ok, donc là, il tient ça. Maintenant, j'aimerais le soigner. Donc, comment on fait PVP, non. Pour le soigner, j'ai des antidotes au pire si je fais ça. Non, mais là, ça fait tenir l'objet. C'est pas cool du tout, ça. Comment on fait pour l'utiliser? Merde, ah oui, là, je l'ai récupéré. Si je fais... Ah, voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est une B. J'ai pas envie d'utiliser une B. J'apprends en même temps que vous, hein. Voilà. Tac. Parfait. Voilà, donc on va continuer. Ils sont un petit peu entamés, mes Pokémon. Mais bon, ils ont évolué un peu, donc... Ouh, une Pokéball. Ils ont évolué un peu, donc... c'est plutôt cool. Antidote, parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. Là où il y a un autre dresseur, on va aller se le faire. On va finir son café, tranquillement. Gérald, ah, il a un Pokémon aussi d'une autre génération. Alors, c'est peut-être la génération 2 ou 3, je sais plus. Par contre, là, il va nous faire hyper mal, je pense. On va tenter un coup de tackle, un coup de... Mais le truc, c'est que là, on part mal, en fait, du coup... Ah, et en plus, il va m'empoisonner, le salaud. Il m'a pas empoisonné, donc ça, c'est cool. On va faire appel à Salamèche. Ouais, on va faire un petit coup. Excusez-moi, j'ai bugué un peu sur mon autre écran. Attendez deux secondes, je reviens. C'est reparti. Hop, tout va bien. C'est la fête. Alors, donc là, fight. Ah, j'ai appris un autre truc, j'ai pas vu. Ça va être brouillard, smoke screen. Pas besoin de traduction, je pense. Brouillard, c'est pas quelque chose qui me tente beaucoup. Ça veut dire en fait smoke screen, ça veut dire fumée, écran de fumée. Donc je pense que c'est brouillard. Wow, my Wurmple is weak. Ok, my Rumpel is weak. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc là, on a des Pokémon à pas attaquer. On va mettre un petit coup de potion vite fait. Attends, je vais voir mon pognon. On ne gagne pas beaucoup de pognon contre ces dresseurs, c'est bien dommage. Cependant, je vais quand même mettre une potion, parce que j'ai pas envie de non plus de tout le temps revenir en arrière pour PJ. Voilà. On va aller faire le dresseur là-haut, Bug Catcher Anthony. Bah, merde. Ah, putain, j'ai mis du temps avant de me capter. I may hate to be little, but I want machin chose. Ok, très bien. Très bien, copain, très bien.
Fight. Excuse-moi, j'ai un petit bug avec mon micro encore là. Ça passe, c'est bon. Hop là, c'est parti. Ok, bon, on va essayer de se faire tranquillement. Il fait mal quand même, hein. J'aimerais bien me le faire, hein. Ce serait cool. D'où il attaque en premier, ça que je comprends pas. J'ai un recul, quoi. Lui, normalement, il peut pas me faire de mal. Logiquement, il a que des attaques de défense. Enfin, des attaques de défense, ça veut rien dire. Mais il a, oui, enfin, il a que des attaques qui défendent, en fait. Donc, logiquement, il me fera rien. Par contre, il va être chiant à tuer. Et du coup, je vais pas me le faire avec avec mon petit Roukoul. Il est long, il est long. Allez, mon gars. Il fait que ça, là, là. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Voilà, Métapode. 36 Poké-Dollars. Il est passé au niveau 7? Ouais, il est passé au niveau 7, parfait. Ça va super vite. J'ai accéléré, en fait, la vitesse des... Attendez. C'est où, déjà? C'est pas là. Si, je sais où c'est. Option. J'ai accéléré la vitesse du game, peut-être. Non, de langage. Ah non, dialogue speed, voilà. On va le réduire un petit peu. On peut pas... Ah, si. Ah, ouais, mais c'est juste ça ou ça, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue l'aventure, tranquillement. Ce sera bientôt la fin de l'épisode. Tac, on va aller par là, du coup. Mon pigeon sauvage est bien attaqué. Un Spinarak. On va éviter de se le faire. Je pense qu'il peut nous faire mal. On va run. DB, parfait. C'est DB au rang ? Je vais aller voir mon Pokédex. Non, pas Pokédex, putain, je suis perché, moi. Mon backpack. Est-ce que c'était les B au rang? Au rang B, parfait, ça. Tiens, je vais en mettre une pour lui. Just one. Voilà. Il y a quoi? Est-ce qu'on peut... On dirait qu'on peut passer par là, mais en fait, non, c'est une feinte. C'est une feinte. Parfait. Hop, traçons par là, tranquillement. En bas, je... Y'a rien, j'ai l'impression. On va aller là. Il y a beaucoup de dresseurs par là. Caterpie. Est-ce qu'on peut se le tenter? On va se le tenter, histoire de passer au level 8, ce serait cool. Puis on a une Béorance qui devrait être utilisée assez rapidement dans le combat, je pense. Voilà, parfait, ça c'est cool. Hop. Voilà, les bim, 86, ils sont passés au level 8, et ça, ça fait 0 Poké-Dollars. Le salaud, il avait pas de thune sur lui, le Spico, le Chenipan. Merde, il y a un combat. Je l'avais pas vu, lui, il s'était campé, là, entre tous les dresseurs. Allez, vas-y, campeur Christina. Fight, tackle. Putain, il est level 9, j'avais pas vu. Oh, puis il fait poison. Oh, on est empoisonné. Putain, on va changer de Pokémon. Allez, vas-y, Salamèche, parce que ça ira plus vite avec lui. Des petits coups de Flamèche, et puis c'est bon. Lui, normalement, j'ai des baies anti-poison, on va dire. Non, j'ai pas des baies anti-poison. Ah, c'est fini. D'accord. Très bien. Ok, mais par contre là, il est blessé. Tac. On va éviter quand même. Par contre, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Faudrait vite qu'on sorte d'ici. Je sais pas où est-ce qu'on va. Là, il y a des vieux, il y a des gens. On va leur parler rapidement. Lui, on s'en fout. Il a juste attrapé un Nidoran mâle, but il veut un femelle. Ah, est-ce qu'il veut changer? Non, parce que j'ai pas de Nidoran. Mais c'est un truc à savoir, ça c'est pas mal. Si on veut un Nidoran mâle. Many Pokémon live only. Beaucoup de Pokémon vivent seulement dans les forêts, dans les caves. Tu as besoin d'être persistant pour voir tout. Partout.
différent. Kings, je sais plus ce que ça veut dire déjà. On se tire d'ici. Est-ce qu'il y a une ville par là? Ouh, il y a de l'orage autour de chez moi. Enfin, autour de chez moi, oui, enfin, chez moi. En bas, il y a une cave, mais il faut coupe pour y aller. Là, il y a plein de hautes herbes. Je pense qu'on va arriver dans une ville, non? Allez, on va aller voir. Voilà, parfait. Je ne sais pas dans quelle ville. C'est dommage qu'on n'ait pas de petite apparition de... Je sais pas, de dire là où on est, mais en fait, dans quelle ville. Je ne sais pas dans quelle ville nous sommes, en fait. Je suis pas allé voir, il y avait un panneau là, mais ça m'a rien dit. Apparemment là-bas il y a une arène. Ok, bon, on va aller voir là. Enfin, une arène, une zone de combat. On va se soigner. Et puis on va arrêter là-dessus pour cet épisode. Il y aura peut-être un tout petit bug de micro au tout début de la vidéo. J'espère que ça ne sera pas trop gênant. Sur ce. Hop, yes, please. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je continuerai donc du coup cette série sur Pokémon Révolution Online en espérant que j'ai pas trop de bugs. Parce que j'avais déjà commencé une série Pokémon et j'ai reconnu des bugs avec Pokémon, je ne sais pas pourquoi. Pokémon est un jeu que mon PC n'aime pas, j'ai l'impression. Il me fait des bugs, il me perd les sauvegardes ou me fait faire n'importe quoi, me perd ma caméra, enfin... Bref. En tout cas, pour le moment tout se passe bien, moi je suis content de faire cette série parce que je trouve que ce jeu est sympa. Bref. Je parle trop. Sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis, à plus !